Quelle surprise, Kratos, le fantôme de Sparte, le dieu déchu, le mortel maudit. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre, avec les suppôts de Zeus, Hermès. Ce sont les mots d'un lâche, Kratos. Tu n'essaies pas de me battre, car tu sais que c'est perdu d'avance. Kratos, tu avais des projets aujourd'hui? Tu as tué quelqu'un de ta famille récemment? Oh, mais c'est vrai! Tu cherches à tuer ton père! Zeus! Ça n'arrivera pas! Ce n'est pas possible! Kratos s'est lancé dans une quête perdue d'avance! Encore! Jamais, jamais tu n'apprendras! Jamais, jamais tu ne changeras! Kratos, le renégat qui a tué sa famille! Kratos, renégat parmi les mortels et les dieux, maudit pour toujours, banni à jamais, dévoré par la vengeance jusqu'à son dernier souffle, le Spartiate fonce tête baissée vers une mort certaine. Thank you.
la boîte de Pandore. Qu'est-ce que cela signifie ? Tes yeux ne te trahissent pas, Kratos. C'est la boîte que tu as ouverte il y a longtemps. Elle renferme encore le pouvoir de tuer un dieu. J'ai libéré ses pouvoirs lorsque j'ai tué Arès. Non. À l'intérieur de cette boîte, le pouvoir est plus grand. Et il fait défaut à ce monde. Tout a commencé quand Zeus a triomphé des titans lors de la Grande Guerre. Zeus a compris que si les mots nés de cette bataille étaient libérés, il détruirait le monde des hommes et des dieux. Pour contenir ces mots, Zeus a demandé à Héphaïstos de construire une boîte suffisamment robuste pour les retenir. La peur, l'envie, la haine. Il a verrouillé ces mots à l'intérieur en espérant qu'ils n'infecteraient plus jamais son règne. Quand tu as ouvert la boîte pour tuer Arès, tu as utilisé les pouvoirs interdits. Après avoir été témoin de ta victoire, Zeus a eu peur. Mais la flamme est mortelle. Comment puis-je récupérer la boîte ? Grâce à son homonyme, Kratos. Pandore. C'est la clé pour détruire la flamme. La clé de notre vengeance. Ce sera difficile, Spartiate. Ce n'est pas une enfant qui va m'arrêter, Athéna. J'espère que tu as raison, fantôme de Sparte.